Bonjour, alors cette partie, cette position est issue d'une partie qui a été jouée entre Petrosian et Korchnoi. Korchnoi avec les Noirs, deux joueurs qui ne s'aimaient vraiment pas, on m'a même dit qu'ils se détestaient. Ça a été joué en 1963. La position est plutôt équilibrée, un pion de blanc pour les, un pion en plus pour les blancs. Mais Korchnoi qui doit jouer, donc c'est le noir qui joue, va trouver une solution simple et très efficace. Alors, essayez de trouver au moins le coup qui a permis à Korchnoi de gagner. Ce n'est pas facile du tout. Je vous laisse réfléchir. Alors, dans la partie, les noirs ont joué F3. Tout simplement. Et ce pion menace de filer tout simplement à dame. Parce que la prise du pion serait une grosse erreur. Car le, alors c'est roi G7, échec avec la tour. Et après, la tour ici, qu'elle se mette là, ou qu'elle reste là ou qu'elle se mette là, la tour est capturée par le roi, ou par la tour si elle se met là. Et c'est terminé avec une tour de plus. Donc, les blancs ont préféré jouer roi G5 pour essayer de contre-attaquer sur le roi noir. Mais alors, ils ont simplement joué roi E8. Ce qui non seulement protège le pion, empêche de mettre la tour là, parce que si elle était changée, il y aurait simplement un échange de tours, et puis le pion file à dame. Et la tour en H8 ne peut pas faire échec à cause de la tour. Donc, c'est totalement cuit pour les blancs et ceux-ci ont abandonné. Voilà, et prochaine position dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.